Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reprendre enfin les vidéos. J'avais pas mal de petites choses à faire, voilà, ça fait une semaine et un jour ou deux que j'avais pas touché, j'avais pas posté de vidéo, donc c'est parti. Aujourd'hui, premier tour des demandes de réaction Instagram. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, j'avais posté une vidéo sur YouTube il y a quelques semaines. Ouais, quelques semaines, on va dire. Et par rapport aux demandes de réaction, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander souvent des réactions que je ne peux pas faire parce que j'ai pas de temps, parce que c'est compliqué, parce que j'ai d'autres priorités à mettre en avant, etc., etc., etc. Même si j'en fais de temps en temps, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai posté la vidéo qui est dans l'optique de pouvoir répondre à un maximum de demandes de réaction et satisfaire tout le monde. Donc, comment il faut faire? Il faut être abonné à ma page Instagram, Mike Dizzy on the track. Et alors, pas de faux compte, bien évidemment, pas de compte double, compte chelou, voilà, ton compte où il y a tes trucs, tout ça, voilà, tout simplement. Voilà, mais vous êtes pas, si jamais vous n'êtes pas abonné à mon Insta et que vous demandez, ça sert à rien de chercher, ce sera pas accepté. Voilà, donc être abonné, suivre les stories que je vais poster et répondre à la question que je vais poster en story. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie que je fasse en demande de réaction? Et voilà, vous me répondez. Le plus rapide, voilà, sera sûrement tiré. Donc, ça va être soit les deux premiers, trois premiers. Le premier, c'est ouvert à tout le monde, artistes, producteurs, gens qui kiffent le son, gens qui kiffent pas, mais qui veulent voir un gars qui se kiffe devant un son. Enfin, je sais pas. Ouais. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes rapide, tant mieux. Si vous n'êtes pas rapide, ça arrivera. De toute façon, c'est ouvert vraiment à tout le monde et c'est jamais la même personne qui va être tiré au sort, donc voilà, ce sera jamais deux fois la même personne, donc tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, vous avez toutes vos chances, comme ça, il n'y aura pas de, ouais, tu fais jamais mon son, je t'ai proposé 15 fois, là, si t'es chaud, tu te mets devant, et t'attends, et voilà, tu l'auras, parce qu'il y en a tellement que c'est galère, donc voilà, trêve de promo, de demande de réaction. On est parti avec Antoine. Antoine, c'est le premier qui nous a posté la réponse à la question sur Insta. Donc, grosse force à toi, Antoine. Antoine P sur Instagram, je vous mets la page derrière, juste derrière. Allez, checker ce gars-là. Il a été rapide, donc force à toi. Dédicace à toi, Antoine. Alors, il nous a proposé quoi? Attic, dis-moi, du rap français. Du rap français que j'aime, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, Attic. Et il m'a fait découvrir un son que je connaissais pas parce que j'ai regardé dans le projet Vagalam, il n'y était pas. Et je me suis dit, mais ça sort d'où? Après, je vois dans le titre Noyé Vagalam. Déjà, il m'avait dit que c'était le dernier projet, je comprenais pas. Je me suis dit, mais tu l'as déjà fumé le dernier projet? En fait, non, gars, je savais pas qu'il avait sorti un projet entre temps. Je sais pas si c'est soit un manque de promo, je sais même pas s'il a clippé des sons. Tiens, je vais juste aller voir s'il a clippé des sons de ce projet ou pas. Parce que j'ai rien entendu parler et je comprends. Ah, bon, déjà, déjà il est non, il y a 9 mois, je crois, le projet est sorti en novembre. Donc, il a peut-être sorti un son, deux, trois. J'aime pas si c'est exactement du projet. En tout cas, moi, il est passé inaperçu. Je savais même pas. Donc, voilà, découverte totale et je pense que je vais aller l'écouter sur Spotify. Donc, extrait de Noyé, Vagalam, suite et fin, la suite de Vagalam qui avait au moins 40 morceaux dedans. C'était un truc de ouf. Voilà, il y avait plusieurs types de sons, types de kiffance, on va dire. Donc voilà, je crois que c'est produit par Medellin. Il y a une petite page Genius qui est derrière, produit par Medellin, effectivement. Voilà, tu vois la cover, tu sens que c'est triste, d'avance, mélancolique, peut-être émotionnel. Et voilà, donc le projet est sorti en novembre 2021, suite à Vagalam, d'où il y avait 40 morceaux, truc de ouf. Donc on va voir ce qu'il nous a proposé. Donc voilà. Donc on va faire plaisir à Antoine. Donc si tu regardes la vidéo, régale-toi. J'espère que je vais me régaler, bien sûr. J'aime bien la tige, j'espère qu'il va nous. Et j'avais regardé sur YouTube, en fait, le son, la première fois, il l'avait balancé sur Planète Rap en mars. À l'occasion de son Planète Rap de Vagalam et normal et en fait il y avait rien d'autre quoi en fait tout simplement il l'avait balancé comme ça et voilà après il l'a balancé officiellement en novembre et voilà je vais écouter donc merci à toi pour la proposition c'est parti. Il y a des jours comme ça où j'aimerais moi te laver, où j'aimerais ne pas te connaître. Oh, les paroles déjà elles sont Tu m'as bâti, tu m'as laissé en ruine.
émotion, tristesse. Tu m'as laissé en miettes. Ça commence. Plus belle nuit, je rêve que j'arrête. J'ai les frissons déjà. J'arrête de t'aimer à fond comme un bolide de course qui finit sur la route secours. Je suis bon qu'à écouter nos vieilles chansons, regarder nos vieilles photos. Je me rappelle de nos baisers à Hyde Park. Putain, y a une émotion dessus là. Un beau morceau pour l'instant. Hein. Oh. Oh là là, la prod. Comment il raconte ça? Il y a un truc, comment il le raconte? Les autres étaient tous jaloux, mais là je sens une larme qui coule, qui a ruisselé sur ma joue. J'essaye même plus de me cacher, un millier de fois j'ai pleuré. T'as hyper triste un morceau. Ta prière est trempée. Oh, s'il te plaît, rends-moi juste un petit peu, juste pour me retenir. Oh là là, franchement, énorme le morceau. Tout va revenir. Au niveau des paroles, de la prod, l'ambiance. Franchement, les paroles, elles sont hyper bien bossées. Oh là là. Changement d'instru, tout ça, les rajouts, les petits. Putain, il y a beaucoup d'émotions dedans. Hein. Je te jure, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au projet 808 and Heartbreak de Kanye. Bien sûr, c'est deux mondes différents, on est d'accord, mais ouais, juste l'ambiance un peu en mode triste, un peu dark, avec les petits sons un peu comme ça, tu vois là. Petite guitare, le petit truc, petit effet de distorsion là, sur la voix, tout ça. On me fait grave penser à ça en fait. Côté triste, mélancolique, émotion. Tu mets en fond, on met un petit fond comme ça. Le son, il est incroyable. Franchement, je mets en j'aime, je mets en playlist. Ah là, il m'a fait kiffer. Hein. Ah, il m'a fait kiffer, Antoine. Merci à toi de m'avoir fait découvrir ce son. Je l'aurais. Grâce à lui, j'ai pu découvrir ce projet de 1 et ce morceau énorme. Je pense que je peux vraiment le kiffer ce son. Franchement, ça me rappelle grave le projet de Kanye. Comme j'ai dit, voilà, c'est deux mondes différents. Mais juste, tu vois, la texture, l'ambiance. La prod n'est pas la même, mais tu vois, il y a des petites ressemblances avec. Je sais pas, il y a un côté, tu vois, tout le. Il n'y a pas grand monde qui fait des morceaux comme ça, tu vois. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça, en fait. Et surtout vers la fin, là. Milieu-fin, là. Ça me rappelait un peu ce côté-là. Et je trouve qu'il a super bien bossé, que ce soit la prod, les paroles, le flow qu'il a. Enfin, il kick pas non plus, mais voilà, comment il le raconte, c'est super, super touchant, tu vois. C'est dans l'émotion, il y a une tristesse. Mais tu vois, ça, tu l'écoutes pas dans les haut-parleurs comme ça, tu vois. Ça, tu le mets dans un bon casque, tu vois, insonorisé et tout. Ça, tu pètes des câbles. Ça, tu mets ça en voiture la nuit, gars. Pfff. Ça, c'est lourd, hein.
Mais voilà, en tout cas, merci à toi Antoine de m'avoir proposé ce son que j'ai ultra kiffé, que je vais retourner, je pense. Et il est hyper lourd. Franchement, c'est un beau texte, magnifique morceau. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? J'ai déjà dit tout. Cover aussi, elle est grave étonnante, hein. Je ne sais pas s'il pleure, s'il est proche de l'eau, dans l'eau, sombre, noir et blanc, dark. C'est à voir le projet comment il est, parce que vu le titre comment il est, l'ambiance, la forme du son et tout ça, c'est un truc de ouf. En tout cas, intéressant. Moi, j'aime bien le Attic quand il est comme ça. Il n'y en a pas beaucoup d'artistes qui font ce genre de son en France, même peut-être personne. Donc, tu vois. Ça me rappelle trop. En tout cas, c'est un beau son en tout cas. Donc voilà. Merci à toi Antoine et on va continuer pour la suite. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao.